Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une visite d'usine un peu particulière. J'ai eu la chance, comme vous le savez, d'essayer la Lucas Autospire Compact sur la ferme il y a quelques semaines de ça, et on a été également visiter l'usine où elle est fabriquée, puisque c'est français, c'est en Vendée. Et dans cette vidéo, vous allez voir la fabrication, soudure, le retournement d'un bol qui a failli mal tourner, et la construction, enfin la totale des machines de chez Lucas G. Donc si vous voulez bien me suivre, on commence maintenant. Et on est bien sûr, et je suis avec... Salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Donc tu l'as essayé aussi toi, l'autochargeuse? C'est ça, la compacte. La compacte, on est les touristes ce matin, aux petits oignons, on se promène. Et ce que je vous invite à faire, c'est de venir avec nous pour visiter l'usine. Oui, c'est la montée. Là, ça roule, là, ça va arrêter. Mon X ça va descendre, le Y va monter. C'est déjà programmé, déjà dans la machine. Oui, c'est pas toi qui commande les manettes, les rouleaux. Hein. Voilà. Là, donc, quand c'est des pièces qu'on a habitué à faire. C'est... Ouais. Ça va desserrer et ça va ouvrir le truc. Ah, oui, d'accord. La sortir. C'est des grosses tôles. Enfin, qu'elle a gagné tôt dans les fois. Ouais. Et t'as la pièce. Et c'est après que tu regardes le gabarit, quoi. Voilà. Alors, c'est souvent la tôle. Des fois, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Alors, ça roule pas pareil. Donc là, un petit coup de patte. Voilà. Ça rentre pas. Ouais. Bon après, les soudeurs ils ont une chaîne. Ah oui. Autour. Ouais. On sent que le gars il a le coup de main quoi. Tu sens le professionnel. Donc on va voir comment. Bah voyez là je suis devant la pailleuse là. C'est pas l'autospire là, c'est la pailleuse. On va voir comment elle est fabriquée parce que il y en avait plein en cours de fabrication. Alors aussi ce qui était super intéressant c'est de voir les soudures. Vous voyez là, vous avez dans le fond. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez toutes les soudures, en fait c'est automatique évidemment. Et je vous montre la machine qui les fait. Donc là c'est l'accroche. Voilà. Bon celle-là a une bonne vingtaine d'années mais elle tourne encore super. Maintenant on va passer à l'usine où ils assemblent en fait, ils fabriquent les bols mélangeurs. Vous avez vu où c'était tordu, enfin le monsieur qui nous a montré comment il tordait le petit bout de fer, il tord aussi toute la partie bol on va dire. Maintenant on va à l'usine où c'est assemblé, soudé et c'est là que vous allez voir, c'est très impressionnant. Sur une cuve de bol, on est en dessous en fait, quand la cuve arrive, ils mettent le fond de cuve en haut, ils amènent les pièces, ils les pointent, ils les soudent ici, et après elle continue son chemin, elle va tourner, elle va aller dans un autre poste, et à la fin, vous allez voir, dans le fond, on les voit là-bas, les machines toutes prêtes à partir.
Alors vous avez vu le retournement, un retournement de cul, tout simplement parce que les gars qui pointent, donc ils pointent à l'envers et ils soudent la cuve à l'endroit. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de la retourner. C'est pour le pointage à l'envers, ils pointent, il y a un gars qui pointe, il la retourne et il l'amène après à la soudure, bah, tous les côtés, partout, les soudures. Ça c'est à l'endroit par contre. Donc vous voyez là, vous avez un châssis ici, vous avez la cabine qui sera là, le bras pris dessus là en haut. Et tout le bol, enfin le double vis, parce que c'est le double vis, sera sur le... Donc là, vous avez un châssis d'auto-chargeur de meilleur jeu. Vous voyez le châssis qui est ici, les roues, le châssis, il y a quelques pièces qui sont déjà prêtes à être, qui sont déjà installées. Vous avez le réservoir qui est là, vous avez la cabine qui est là, cabine, châssis, châssis ici. Là vous allez avoir le moteur qui va aller derrière la machine et si on avance, on continue d'avancer et là on va avoir le bras et le bol. Donc c'est un vrai Lego en fait, c'est quasiment un Lego. Vous avez toutes les pièces qui arrivent ici. Le bras, le bol, on continue avec le moteur, le châssis derrière et ensuite la machine arrive au bout toute prête et part chez l'éleveur qui va l'utiliser. Donc là c'est pareil. Petit bol mélangeur, trois vis. Hein. Donc là, vous avez de quoi faire. C'est une combien de mètres cubes celle-là? 30. 300, c'est 30 mètres cubes. Ça va toi? Et t'es dans le bas, là. Et du coup, 30 mètres cubes. Et celle que j'avais essayé, moi, c'était une 12 mètres cubes. Donc, bon, bah, fois 3 quasiment, quoi. Donc là, c'est vraiment pour des, après, c'est vraiment pour des très gros élevages, pour des très très gros volumes. Alors là, on est devant une mini pailleuse. 27 mètres cubes la pailleuse. Je vous jure, c'est juste, c'est une benne en fait. C'est une benne la pailleuse. Là, vous en mettez de la paille. Moi, avec ça, je paille les vaches pour l'année, quoi. Bon, voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, comment sont fabriqués, soit si vous en avez vos Lucas G, vos machines, soit pailleuses, décileuses, auto-chargeuses, enfin la totale. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout, n'hésitez pas à partager, liker, et puis bah, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!